à tous et bienvenue sur votre chaîne Yummy Cuisine. Ravie de vous retrouver pour une nouvelle recette. Et aujourd'hui, je vous propose ma recette de brioche très moelleuse, sans pétrissage, fourrée à la confiture de pommes fait maison. Vous pouvez utiliser la confiture de votre choix. Sans trop tarder, commençons la préparation. Dans un bol, versez le lait, le sucre, les œufs, le beurre fondu, l'extrait de vanille et mélangez. Ajoutez le sel et mélangez encore. Ensuite, ajoutez la levure boulangère. Bien mélangez avant d'ajouter la farine. Assemblez la pâte. Enduisez-la d'un peu d'huile et laissez-la reposer pendant 2 heures. Dégazez-la. Travaillez-la un peu juste pour qu'elle soit homogène et qu'on puisse l'étaler. Découpez les bâtons et façonnez des petites boules. Aplatir chaque bâton en forme ovale ou en cercle. Ensuite, y déposer dessus un peu de confiture sur les 3/4 du rond et rabattre comme ceci. Découpez des bandes, roulez le cercle en cylindre et joindre les deux extrémités pour les coller. Bien dresser la brioche à l'aide de vos mains pour qu'elle gonfle en hauteur et laisser reposer pendant 25 minutes. Badigeonnez d'œufs battus. Garnir de graines de sésame noires et de graines de sésame blanches. Direction au four préchauffé à 180 degrés pendant 20 minutes. Ça dépendra de votre four, 20 à 25 minutes. Et voici les belles brioches. Elles sont magnifiques. Et elles ont une mie légère et filante. Merci d'avoir suivi la vidéo. À très vite pour des nouvelles recettes sur votre chaîne Yummy Cuisine et Pâtisserie.